Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec tes pudding and camembert et on est avec Damned. Salut Damned. Bonjour les gens. Alors oui, on a eu un petit problème de planning chargé et tout, donc du coup on n'a pas pu tourner d'épisode pour lundi, je m'excuse, mais on va se rattraper bien sûr. Je m'excuse aussi alors. Oui, bah voilà, de toute façon c'est pas... Enfin, la priorité à l'IRL comme on dit toujours, hein. Ouais, ça va, on n'est pas, on laisse pas les gens non plus, on les abandonne pas pendant un mois, quoi. C'est ça. Alors du coup, on en était où? On était en train de taper sur la Provence, on avait le Landshut qui s'était un peu énervé, mais ça allait. Moi j'avais une armée qui était en exil, donc il faut qu'elle se replie jusqu'à la Normandie, j'espère que ça suffira, sinon j'irai à Calais. J'avais un colon qui glandait, je l'ai envoyé du côté du Brésil Castillan, parce que pourquoi pas. On avait des mecs qui allaient se rebeller, mais ça allait être géré. On avait une petite guerre contre les Pawnees ici, qui va se gérer aussi, je Ça pense. m'a fait sourire les commentaires des gens qui disaient « Mais tu fais n'importe quoi avec les cartes coloniales et tout! » Toi qui réponds « Oui, je Ben sais ouais. les gars, vous inquiétez pas, ça va arriver Ah oui, n'oubliez pas effectivement que les épisodes sortent toujours en avant-première sur Peertube et que donc quand vous les voyez sur YouTube, ça fait une semaine qu'ils sont déjà sortis sur Peertube et que probablement certains petits trucs se sont éventuellement passés entre-temps. Donc C'est ça. si vous voulez être au taquet des commentaires pour me bâcher, eh bien je vous invite à aller sur Peertube. Certains ne s'en privent pas. Mais Ça, c'est c'est dit. toujours avec un très grand plaisir hein, que je lis vos commentaires d'ailleurs, hein, parce que c'est jamais rageux, c'est toujours avec humour et Ouais, tout, franchement. franchement, c'est vrai que t'as pas de mauvais viewer de ce côté-là, franchement. J'aime beaucoup ma communauté de viewers. Ouais, tu peux. D'ailleurs, comme je le Tu disais à l'un d'entre eux, c'est tout un équilibre de suffisamment mal joué pour que les rageux passent leur chemin et suffisamment bien pour que ceux qui sont intéressants restent. peux. Donc merci de rester. Ouais, c'était bien dit. Allez, on va enlever la pause, on va voir comment ça se Ouais. passe. Normalement, pas trop mal. Baston. Baston, à l'assaut. À l'assaut, ouais. Alors, bah, du coup, j'ai une armée qui est en train de se tirer parce qu'elle est en exil, donc pas trop le choix. Mais je vais laisser quand même 24 000 hommes avec toi pour aller éventuellement montrer à Landshut qu'il faudrait pas trop se foutre de notre gueule. N'est-ce pas? Putain, ton moral est à chier par contre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et qui, moi? Ouais, tes 30 000 hommes là, ils sont pas à fond. Ah, parce que je viens de passer ma technologie 15. Ah oui, bon, on va attendre 2 secondes ici que ça se stabilise alors. Ah, je suis toujours en exil, sérieux, faut jusqu'à Calais quoi. Ah, il y a Jven qui se pointe en bas là. Hein. Peut-être du coup, Faire un propose d'aller petit se poser demi-tour. sur Landshut et puis avec nos armées là, il devrait avoir du mal à les Ouais. déloger. Et du coup, avec les armées qui sont en France, on va aller. Ouais. On va aller expliquer aux Génois que c'est une idée de merde. Alors je vais passer par l'Autriche, je pense. Histoire de les plus ou moins les acculer, je te propose de passer Ah, vers. là, ils sont là. Ouais, exact. Ils se replient. J'ai pas de commandant avec cette armée là. C'est le problème. Ça y est, je suis plus en exil, bordel. À go! Écoute, t'as un mec qui a du siège, non? Ou c'est quelqu'un qui est en dessous? Non, t'as T'as deux de un dessous. siège, tu peux être posé sur la. Tu les vois là? Je les vois pas Ouais, moi. je les ai vus, ils sont en Autriche. Ah, il y a le Mais ils fort sont hein, assez qui fait loin. chier. Ouais, il y a le fort qui fait chier. Fais tomber la capitale là avec ton mec à deux de siège, ça devrait aller assez vite. Et puis, Allez. en attendant, on va piller le pays. Puis en attendant, bah, tu Ah, descends il avec tes a. hommes, hein, je crois. Ouais, je les ai envoyés du côté du Vivarais en Autriche pour acculer un peu les Génois là, de ce côté-là. Je suis. Je vais mettre pause 2 secondes pour aller voir comment ça se passe dans les colonies. Bon, je suis un peu pré-confiant, mais. On sait jamais, hein, des fois que les mecs fassent de la merde. Bon, il y a 1 000 hommes ici. Il y en a des alliés, lui? Ah ouais, là, il y a des gens hyper loin. Bah, vu qu'il y a déjà un siège ici, on va aller par là-bas. Allez, hop, c'est parti. Hop, là, on dézoome. Excusez-moi, ne vomissez pas sur votre clavier, j'ai un peu foiré ma molette. C'est Alors, il pas va son objet. où? Il va au Quercy, lui. Alors, on va aller défoncer. Alors Ça, normalement c'est j'ai des rebelles qui doivent occupé. apparaître soit au Périgord, soit au Quercy, soit au Bordelais, donc ce serait bien qu'ils sortent, mais. Alors, comme on me l'a signalé dans les commentaires fort justement, et d'ailleurs, même si c'est pas Slan qui l'a signalé, merci à lui qui l'a rappelé, les rebelles apparaissent toujours sur la province la plus développée. Ah oui, d'accord. Je l'ai lu, je crois, ce truc-là. Du coup, voilà. Ça permet de éventuellement déduire un peu le bordel. Ça c'est Opole.
Je crois que c'est un vassal de je sais plus qui. Allez, on continue de raser le pays en tournant autour de la capitale. Je vais remonter des fois Gouven. Putain, c'est vrai. Ah oui, ah la vache, c'est tombé vite. Ah, c'est un fort de niveau 2, c'est vrai qu'il faut monter les niveaux des forts. Ouais, bah je les ai montés, j'ai monté tous ceux du nord, j'ai oublié ceux du sud. L'Anchut est tombé par contre, hein, donc eux c'est pareil, hein, c'est valable aussi. Hein. Ouais, c'est clair. J'ai chopé 9000 hommes normalement. Ah, nickel. Du coup, bah je vais finir mon siège et puis je te rejoins. Du coup, tu devras t'en tirer, sauf si ça part en couille. J'ai juste regardé parce que j'ai terminé une conversion. Vas-y. C'était dans le coin qu'on convertissait. Absolument pas. C'était ça qu'on convertissait. Ah oui, il y avait le truc qui avait été converti au protestantisme, quoi. Pouah, moins 100%, les salauds, quoi. Ah, j'avais deux missionnaires en fait. J'ai deux missionnaires. Où sont mes édits? Juste là, ok. Donc, ça, on avait terminé. Donc, on peut virer l'édit. Voilà. Et bah, on va finir ça. Mais il y a le protestantisme qui fait un peu chier. C'est dingue! Qu'est-ce que c'est que ces gens? Coucou, Gênes! Allez hop! On va choper les hommes du land shoot qui vont prendre cher. Ouais, pas de renfort qui arrive. Bon bah écoute, du coup je finis mes sièges. Hein. Terminé. Coucou Gêne, allez. Bah là il est un peu encerclé. Hein. Ouais, faut juste qu'il va en train de. Il va vouloir se tirer là, faut que tu bouges. Nickel. Je vais te filer les sièges en speed. Normandie, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons prendre une doctrine, pourquoi pas? Niveau de tech, on a 90%, on prend. Commandant son frais de maintien plus 100, oh, merci. Oh, c'est bon ça. Excuse-moi, je vais me permettre de recruter un conquistador pour explorer un peu le patelin là, du sud. Là. Enthousiasme de guerre toujours élevé, très bien. Comme ils veulent. Ah, faut que j'attende pour le faire. Bah, on va recruter ici, c'est pas grave. Là, on a nos bateaux. Alors, 1, 2, 3. Voilà. C'est un peu long parce que ça nous appartient pas, mais c'est pas grave. Terra Papillote, tu te fous de ma gueule, non? C'est bon, tu te démerdes. Ici, ils sont venus prendre leur relais, on va aller à Cheyenne. Et je suis de retour. T'as réussi à lui mettre une fessée, pas de surprise particulière. On va remonter un peu au cas où. C'est le siège qui va être long à faire, je pense. On a été découvert en land shoot. Bah, de toute façon, on n'a plus de siège à faire, donc... Ah non. Alors, remarque, pourquoi je bouge? On va continuer de piller. Il n'y a plus rien à piller. Ici, il y a des trucs à piller. Tu comptes pas prendre le land shoot? Normalement, non. J'imagine. C'est pas au programme. Ouais, tiens, je vais piller un peu la capitale aussi. Il reste quoi du coup? Il reste Gênes éventuellement si on veut aller assiéger. Mais bon, Gênes, tu dois peut-être même pouvoir le sortir si tu veux. Non, tout le monde est en élevé. Hein. Même le land shoot. Eh bah écoute, on va aller à Gênes. En avant. Et pourquoi pas? Il doit y avoir des troupes qui traînent quelque part là. On peut pas le voir, mais. La Provence fait un peu la gueule, mais bon, vu qu'il faut qu'on prenne tout ce territoire, faut un gros score. Une rébellion dans le bordel et elle tombe maintenant, bordel. Ah, fais chier. Ah, puis tu peux pas passer à cause du fort. T'as pas des bateaux pour faire le blocus? Pour m'aider, oui, t'as raison, je peux mettre mes bateaux pour m'aider aussi à mon siège, tu veux dire, non? Ouais, pour ton siège, ouais, pour ton siège, tout à fait. Ouais, je vais le faire. Parce que, ouais, moins 49. C'est pas des bateaux de commerce, mais bon, c'est pas grave, je vais le faire. Bah, sinon, j'envoie ma flotte, hein. Bon, comme tu veux. Non, mais c'est parce que bah ça dépend. C'est une flotte qui. Oui, t'as une flotte. Ouais, alors, ça t'embête pas d'envoyer ta flotte parce que moi, j'envoie en fait, la ça, flotte. Du coup... Je là, ça va faire, te. Mais du coup, je perds le commerce, quoi. Ouais, tu perds le commerce, ouais. Ouais, d'accord. Bah, du coup, je t'abandonne avec tes 30 000 hommes. Je vais aller m'occuper de Gênes avec les 24 000 qui sont là. Et de tes rebelles avec les 30 000 qui allaient vers Gênes. Ça marche. Si ça te convient. Ouais. On est parti. Je pense pas qu'il va aligner 30 000 hommes comme ça. Ah, une offre de paix de la part de tes ponies. Hein. Faut pas que je les oublie. Parce que c'est vrai que s'ils veulent bien faire la paix, à la rigueur, hein, moi je m'en fous. Hein. Toi, déjà, tu peux pas me donner un peu de sous? Ouah, 15, c'est... Je me sens un peu floué quand même. Concède la Louisiane. On peut faire ça?
Mais ça donne sa région ou comment ça se passe? Bah écoutez, on va essayer. Ah oui, d'accord, il donne effectivement ses provinces. Oh, c'est bon ça, alors que je peux pas légitimer et tout. Ah, mais du coup, oui, je peux juste pas la légitimer en fait. Mais est-ce que je peux la donner à mon... Oui, ça va peut-être être fait tout seul, on va attendre. Oh, c'est très 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 intéressant ça. Extrêmement intéressant. Bah du coup on va attendre de prendre les Shane, on va faire pareil avec Shane, on va pas s'emmerder, et on va retourner en Europe où il se passe des trucs. Conflit commercial contre Cados, pas de problème. Alors la flotte est où? Où la flotte? Ah putain, elle est loin encore. Hein. Ruée vers les colonies. Plus de colonisation, mais oui, mais complètement. Mes trois mecs, ils ont été recrutés? Mes trois mecs ont été recrutés. Non, même pas un seul seulement. C'est un peu la tristesse. Ah, mais putain, mais j'étais en train de faire. Il est en train de faire des bateaux dans les provinces où je recrute des gens. Mais a-t-on idée de. A-t-on idée de. Est-ce que je peux annuler du coup? Alors attends, s'il faut que je fasse ça. Moins, moins. Forcément, ça marche pas. J'ai une rébellion qui a pété, je jette un œil en speed. Mes troupes vont Ah s'en merde. occuper tranquille. Ouais, pas de soucis. J'avais 30 000 hommes qui étaient en neutralisation des rebelles là. Ils Nickel. vont gérer. Alors, le problème, c'est que d'ici qu'on arrive à Gênes, je pense qu'il se sera un peu remis. Enfin, façon de parler, mais. Allez! Putain, ils se défendent, hein, les paysans là! C'est ouf ça! On a buté 8 000 hommes! Je vois qu'il y a des troupes qui traînent de Paul et de Gênes en haut, je vais remonter du coup moi. Je pense que tu géreras Gênes sans problème, enfin je pense. Je pense, ouais. Ça y est, les bateaux sont sur place, par contre, je prends de l'attrition, c'est chiant ça. Coupe ta flotte en deux et envoie la moitié vers Gênes C'est ce justement. que je voulais faire, mais je me suis gouré de boutons. Comme ça, tant qu'à faire, en plus 97%. ça va t'aider à l'autre siège. Tout à fait. Bon, il a quelques bateaux quand même là-bas, mais bon. Ouais, mais j'envoie mon bateau amiral avec ses canons nombreux et ses fusiliers embarqués. Tu prends encore de l'attrition même avec tes 30 bateaux? Vache! Ah, mais c'est pas. Là, c'est pas le nombre. Les bateaux, c'est pas le nombre, c'est parce que je suis loin de tout port. C'est parce que là, normalement, Ah y a oui, tes il ports bah, qui y a de sont la là, renommée mais normalement. bah voilà, Mais. vu qu'il est plus là. Merde. Ce que je peux peut-être faire, par contre, c'est me diviser pour reprendre tes trucs là. Ça fera du score de Ouais. guerre en moins. Ouais, faut surtout vite que je reprenne le Narbonnais, quoi. Après, ça va se gérer, je pense. Bon, je sais pas où sont les troupes de Gênes, par contre, mais. Ce que je peux faire éventuellement, je peux pas faire un barrage d'artillerie. Merde. Mais non, mais j'ai pas mon artillerie qui est là. Ah bah oui, d'accord. Ah bah Ah oui, oui. t'as zéro canon. Ah bah heureusement que c'est qu'un fort de level 2 du coup. Attends, je vais envoyer tous mes canons. Bah sinon je peux peut-être moi faire un barrage avec mes bateaux. Hein. Bon après on n'est pas pressé hein, honnêtement. Non, c'est plus pour toi. C'est plus pour. Je suis plus embêté pour tes. Bah mes bateaux je vais les surveiller tant qu'ils coulent pas. Hein. Ils étaient à 97% là, l'attrition ça va. J'ai les doctrines maritimes donc ça va. C'est les maritimes ou comment c'est? Si c'est ça les maritimes. C'est quoi ce truc au pôle au fait? D'accord, c'est un truc là-haut. Ouais, c'est un truc en haut, je me souviens d'avoir regardé. Bon, ici, il faut que ça tombe. Entre la Bohême et la Pologne, ok. Ici, notre mec est arrivé, parfait. Cela dit, Gênes est passé en faible si tu veux. Mais bon, maintenant que tu y es. T'es à zéro, non, bah attends donc que tu finisses ton siège, hein. Du coup, ça donnera du score. Alors, je préparais un petit conquistador et on m'avait donné un nom pour un conquistador, je crois. Ah, je crois avoir lu ça en commentaire, oui. Oui, tout à fait. On m'a Pareil, hein, moi c'est vrai, proposé. putain, j'ai nommé personne. Bon, en même temps, j'ai pas trop envoyé de message, mais ça, j'y pense pas, c'est qu'après, j'y pense plus en fait. Bah, il y avait J'aurais quelqu'un à nommer, le oui! De Roche, le De Roche, mais t'as nommé ton navire amiral De Roche, mais du coup je peux pas le voir, c'est dommage, mais on sait qu'il s'appelle le De Ah oui, Roche. c'est vrai, j'avais fait ça, ouais, je lui avais donné le bateau, oui, en hommage. Au moins, c'était un truc qui normalement devrait rester très longtemps. Mais pareil, hein, s'il y a des gens qui veulent prendre la place de. Parce que là, il y a Richard I d'Armagnac, et son héritier, c'est Richard II d'Armagnac, ce sera Richard II, mais bon, on peut faire mieux. On peut faire mieux, ouais. Hein. On peut faire mieux.
Les généraux, bon, c'est chiant parce que ça meurt vite. Toi, tu fais les pays voisins. Ouais, bon. Peut-être faire les dépendances plutôt. Envoyer quelqu'un s'occuper des dépendances. Parce qu'on commence à en avoir quelques-unes quand même, les dépendances. Allez, 21% là, gêne, ça va tomber vite. On va plus vite à faire le siège de Gênes que des tipis Cheyenne quand même. Ils sont bien planqués dans les rocheuses là. Ah, ils sont en train de reprendre Landshut, ouais. Bon, ça non mais t'inquiète, aller, j'ai 31 000 hommes qui... Ah oui, ils y vont, ok. Qui est dans le... qui est là, ouais. Ah bah on a pris Lakota. Donc Lakota, si tu rétrocédais à la Louisiane, qu'est-ce que t'en penses? Ou à ce que tu veux d'ailleurs, tu rétrocèdes à qui tu veux, je m'en fous. Concède à la Louisiane, parfait. Bon, les réparations de guerre, du coup, j'imagine que ça ne sert à rien. Puisqu'il disparaît. Ouais, c'est ça, et du coup, il a automatiquement pris à ma Louisiane ici. Donc pas besoin de m'emmerder à légitimer. C'est pris automatiquement. Il nous faut un diplomate, 60 jours en Kyrienne, notre diplomate, ça fait violence. Ici, il y a quelqu'un, oui, on le rappelle. Et on va l'envoyer à côté. Hop. Alors, on reprend plein de sièges ici, c'est normal. Hop, hop, fois. Personne n'arrive sur Gênes. Est-ce que tu voulais que je fasse une petite canonnade du coup? 7%, oh, oh ça c'était va, comme ça avance. Tu voulais, moi non, c'est pas nécessaire, hein. C'était vraiment pour toi. Pour ça, ah, mais est-ce que je peux le faire d'ailleurs? Parce que c'est sur l'interface de siège, est-ce que je peux le faire? Je peux pas le faire. Ah ouais, est-ce d'accord. Que toi tu peux le faire? Nous ne commençons pas le siège, nous ne sommes pas le suzerain des armées assiégeantes, nous ne pouvons pas donner un barrage d'artillerie. Est-ce que tu peux te servir de mes bateaux? Non, je n'ai aucune flotte qui le permet. Ah bon, bah du coup, fail. Bon, ça va, on ramène quand même un peu de force. Ça y est, Gênes est tombé. Si tu veux, je sors de là pour pas être en exil. Et vas-y, si tu veux aller voir s'ils veulent sortir. Yes, ils sont en faible, bien évidemment. Ce sera l'occasion de faire un peu de sous. Je pourrais te donner Albeng, quoi. Tu serais d'accord pour te le céder, quoi. Albeng, c'est quoi ça, Albeng? Bah, c'est là où tu... Albeng, je sais pas comment ça se dit, mais là où t'as fait le siège. Ah ouais, carrément. Bah écoute, je peux peut-être... Attends, je vais te donner à toi. Je te donne à Normandie. Ouais, alors, maintenant, tu que peux je le prendre. Prends, bah si je veux... Oh, ça va te faire de la surexpansion. Bah après, c'est sûr que pour y aller, ça sera un peu la merde. Ouais. Il faudrait avoir des transports, mais... C'est plus pour ça, ouais. Mais c'est en toi soi, qui vois. Est-ce que c'est une province intéressante? Il y a moyen, bah, ouais. Dans l'idée, à un moment, j'arriverai jusqu'à là, hein, mais... Ouais, est-ce que commercialement, c'est intéressant ou bof? Regardez, il n'y a pas de truc particulier. Hein. Alors ça fait entre 1 et 5. Et si je le prends... 8, 6, 3, ouais, mais... Entre 1 et 16. Ah, c'est vachement plus intéressant de concéder, en fait. Oh, ça n'a pas une grosse puissance commerciale, quand même. Hein. Mais bon. Ou alors j'en fais un vassal, peut-être. Peut-être que je pourrais faire ça. Je l'absorberai. Est-ce qu'il serait d'accord d'abord? C'est pas sûr. Hein. Je sais même pas si je peux. Tiens, moi c'est marrant parce que je vois que déjà concéder un pays, une colonie, ça coûte vachement moins cher en expansion agressive que le prendre. Alors ouais. Que ça revient au même au final. Et en plus, du coup, je peux, contrairement à quand je prends une province, je peux lui demander de concéder la Louisiane et aussi de faire une des réparations de guerre, de l'accès militaire et compagnie, alors que ça sert à rien vu qu'il va disparaître. Mais. Ça me donne le prestige qui est lié à ces choix de. Enfin. Que ah je ouais. Gagne parce que je lui ai imposé des réparations de guerre qui servent à rien, quoi. D'accord, c'est pas mal. Je pense que c'est même un bug, tu vois. Oh oui, c'est possible. Il accepterait de devenir mon vassal. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup, vassal, ou plutôt de l'absorber Gênes. Ouais. Oh bah ça pourrait être intéressant vassal hein, parce que mine de rien du coup tu pourrais le faire grossir pour moins cher que l'expansion agressive. Ah ouais. Avant de l'absorber. Ça bon. T'ouvre Solus, ça t'ouvre la porte du Saint-Empire aussi quand même pas mal. Bah ouais alors ça, y aurait une coalition contre moi des états pontificaux et de Salus. Lol. Ah, écoute je pense que elle va exploser un peu quand tu prendras la Provence mais on s'en occupera t'inquiète. Ouais non mais ça à va. À mon faire. Avis allez. On a les capacités. C'est bon. Voilà, j'ai un vassal maintenant. Bien joué. Hey, en fait, il n'y a plus que ça, Gênes, il s'est fait bouffer là. Ouais, bon, sans trop de surprise, tu me diras. Oh, la surprise, c'est Gazikumuk qui résiste aux Ottomans là.
Ah, il est allié aux Ottomans. Putain, bien joué, mec, parce qu'on colle. Je pensais que le Landshut aurait lâché prise, mais même pas. Mais bon, je vais quand même regarder si il veut le pas dégager. Il y a encore le Rennais en haut qui est pris là. Non, le Rethelois, pardon. Excusez-moi, le Rennais c'est complètement pas là. Il a encore 20 000 hommes, ouais, là, qui se baladent. Enfin, qui sont réfugiés à 30, on va dire. Ah, ah oui, mais c'est vrai qu'il il est en guerre aussi, Landshut, contre d'autres personnes, quoi. Ah, mais en même temps, il a 20 000 hommes en bas, là. Tiens, bah, je vais essayer d'aller lui. Ah ouais, dessus. Bah ouais, il a 20 000 hommes du côté de Trèves, mais il est en train de faire le siège, donc il est attaquant. Donc il est dans d'autres guerres. Et le mec, il lâche pas. Il joue à fond la... La carte du... De l'empereur, quoi. C'est bizarre, hein, il est en moyen. Pourtant, je regarde, lui, enfin, quand tu vas dans sa fiche à lui, contre nous, il a un score de guerre de moins 99%. Bah ouais, mais sa lassitude de guerre, il paye pour ça, il paye pour que sa lassitude de guerre baisse pas, donc du coup... Ouais, ouais, c'est ça. Bon, pff, je sais même pas si ça vaut le coup d'aller taper ses troupes, ça va rien changer. Non, non, reste là, appuyer son territoire pour qu'il vienne pas le dessiéger, et puis c'est tout. Hein. On va dessiéger les trucs. Moi, je suis en train d'envoyer mes mecs en exil à Calais. J'irai de reprendre le Rethelois après s'il faut. Ouais, et encore, je suis pas sûr que ce sera nécessaire pour faire la province. Franchement. Je tente de finir mon siège pour remonter un peu le score, mais et je pense que ça s'arrêtera sur ça. Est-ce que Opol accepterait de partir? Non. Mais bon, j'ai la flemme de monter jusqu'à chez eux. Ouais, mais Opol, c'est pas un vassal de Landshut, un truc du genre? Non, ils sont indépendants. Ah non, ils sont indépendants. Ouais, en soi, aller faire un siège. Hein, mais... Tiens, c'est vrai, c'est l'Autriche qui était toujours vassal de. Ouais, ouais, un enfin, partenaire mineur de la Poméranie, mais ils s'en branlent. Indépendu soutenu par Danemark, Grande-Bretagne, Normandie et Maroc. Pourtant, ça va quoi, il serait pas tout seul. Non. Écoute, hein, ouais, puis je pense qu'à lui tout seul, déjà, il aurait les bras pour l'assurer tout seul, déjà. Il y a moyen, ouais. Alors, ici. Quoi? Oui, merci. On a personne. Ah oui, parce qu'il y a un mec qui est en trajet. Donc on va récupérer lui. Et on va l'envoyer à. Où ça? Ici? Ici, c'est bien. Hop. On va encore plus coincer le Brésil Castillan, même s'il est déjà plutôt énervé. Ah, puis ça serait bien, mes bateaux ils en sont où là? Parce que mine de rien, ouais, 71%, 80%, ça va, ça va. Ah, mais c'est tombé! J'avais pas vu. Fallait me dire. Bah, ça vient de tomber le Narbonnais à l'instant. Ouais, je te vois. Allez, on rentre au port, les gars. On a quand même perdu quelques troupes, hein. Où sont nos armées? Je vais aller quand même siéger voilà. Chez Opol, c'est pas si loin, allez. Hop. Bah ouais, on prend de l'attrition, ouais, je sais bien. Ouais. Royal Navy a une attrition importante. Ouais, 36% quand même, c'est tombé d'un coup là. Ah bah oui, ça devait plus descendre grâce au port du Narbonnais. J'aurais peut-être dû me poser dans ton port 2 secondes. Même mon vaisseau amiral est à 49%, ça serait con qu'il crève. C'est clair. Faut avouer. N'est-ce pas? Ouais, mais ça va vite tomber au pôle en fait. Je suis déjà 14% du siège avec 14 000 hommes sur sa cité, quoi. Ah, il doit juste avoir un ah, bah truc oui, il a, de base. Il a rien. Oui, il a un truc de base, ouais. Pouh, c'est tendu, hein. La vache. 24% est tombé sur cette carac, là. T'as mon port, hein. Ouais, non, mais moi aussi, j'ai des chantiers, là, mais... Enfin, non, j'ai même pas fait, tiens, au Narbonnais d'ailleurs. Une fois que c'est fait, une fois que c'est passé là. En fait, c'est le petit golfe de Gascogne là qui est un peu chiant. Voilà, la Normandie. Ah, mais merde, t'es sur le rétro aussi, on prend de l'attrition pour rien du coup. Ah, pardon, je les ai envoyés là-bas et puis je suis passé par partie faire autre chose. Ouais, pareil, je les avais envoyés aussi et j'ai pas regardé. Oulala, Opol est en train de dessiéger le Landshut, déconne pas. Ouais, oh, il a 99, il va lâcher là, non? Ouais, c'est quoi, je vais même pas le laisser faire, regarde. Je vais arrêter. Alors! Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez pas revenir? C'est juste pas possible, quoi. Du commerce, ce truc là, on peut l'attaquer ou pas? Prendre le Kansas, allez go. Du coup, merde, on est en exil parce que j'étais sur un territoire. Qui allait pas. On va se poser là et on fait demi-tour.
ces trois trucs là, ça va être cadeau. Voilà. La conquête normande du Barrois. Bon, on va pouvoir rapatrier les troupes, hein. Allez, hop, ouais, c'est ouais, parti. C'est bon, là, c'est la fin. Je vais quand même faire une proposition de shoot. On va voir. Hop. Oh là là, on gagne tellement de thunes alors qu'on est en... en surplus, quoi. On a 10 troupes de plus que le maximum et on est pété de thunes. T'as combien par curiosité? De quoi? De dessous. 485 et là, je suis à plus 86, mais c'est peut-être parce qu'il devait y avoir une paix ou un truc qui m'a donné des sous, j'étais à plus 22. Ah oui, pareil, moi je suis à plus 130, donc oui, c'est... J'aimerais bien que vous rentriez dans les bateaux qui sont pas dans le même port, ça que vous me dites. Ah oui, ok. Ah, est-ce que le Landshut voudrait bien une trêve? Oui. Ah du... bah voilà, il me donnerait de l'argent. C'est bah voilà, une petite réparation de guerre de l'empereur, moi je dis, ça se refuse pas. C'est clair. Nous pouvons investir dans une nouvelle technologie. Ah, pour le faire accorder des dépendances. Bon, je m'en fous. Allez, on embarque. On va ici, s'il vous plaît. Et en plus vite que ça. Et après, on va lancer l'exploration. Là, parce qu'il faut qu'on voit ce qui se passe là. Landshut a accepté la paix et on produit du cacao. C'est cool. Comme je suis à 100% de guerre avec la Provence, je prends tout. Hambourg se prépare à attaquer le Danemark. Mais Hambourg, mais t'es personne, Hambourg. Qu'est-ce que tu fous? Et voilà. Et tu nous dois 14 points de faveur. Oh, le Danemark, il est tech militaire 12. Ah, il est même pas bien. Ah, si tu veux te gaver, c'est le moment, quoi. Oh, le land... Ouais, tu m'étonnes. Le Landshut qui me dit... oh, faudrait me rendre un territoire. Le mec, il va me perdre la guerre. Non. Ah, l'Autriche. Ah, et on est en guerre, du coup, contre la Poméranie. Eh bah, il détend. Bah, écoute, si tu veux te gaver du Danemark en passant... Oui. Hein. C'est vrai. Ah, quoi qu'il doit être avec nous, il défendait l'indépendance. Ah, il est aussi. Avec nous, ouais. Il est ah, avec dommage. Nous. Bon, bah. Ah non, mais cool, là, en face, on a la Poméranie, Magdebourg et Mecklembourg. Ouh là là, la violence. Ouais, je sais pas si on va y arriver. Hein. On tremble dans nos bottes. Je pense que c'est la fin de la série. J'ai même pas envie de bouger mes troupes, tu vois. Ah non, moi non plus. Parce que le... Enfin, tu me diras, ça serait intéressant de voir comment le Danemark s'en tient. Parce que Tech 12, quand même. Violent, hein. C'est un peu la merde quand même. Ah, ah c'est bien, on devrait pouvoir le re-rivaliser une fois que sa guerre sera finie. Ah bah c'était l'objectif, ouais. Carrément. Allez, on commence à voir un peu ce qui se passe. Donc là, l'Espagne a vraiment bien fait le tour en fait, hein, les petits sagouins là. Ils sont très très bien placés, les enfoirés. J'ai pas refait mon mariage royal avec l'Espagne. Il se peut que on ait éventuellement envie de les défoncer. Ça part en sucette, je vois. Mm. Ouais, parce que mine de rien, ils sont posés jusqu'en Amérique, tout à l'ouest là. La Californie espagnole, quoi. Ah bah ouais. Pendant qu'on regardait pas, ils ont fait le tour des États-Unis. Enfin, des États-Unis, oui, des États-Unis, on peut dire ça. Comme ça, c'est compréhensible, même si c'est pas vraiment les États-Unis. Des fanatiques catholiques qui s'énervent. Bah alors, les gens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est-il donc que ça? Toi, tu t'entraînes. Toi, t'as pas un mec qui traîne là? Non. Bah oui, il y a lui, mais il est pas là, ouais. Ok. Oh, par contre, notre démonstration de force, c'est vraiment le drame. Hein. Heureusement qu'on est pété de points, du coup. Toi, tu vas aller là. Refaire des forts, justement. Alors. C'est plutôt toi qui vas aller t'occuper. Ah, bah non, bah en fait, le. Ah, bah non. Non, rien. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Là, je peux pas. Là, ok. Je referais bien un fort à la frontière, justement, là, au niveau du Barrois ou. J'en ai pas. Hop, Champagne non plus. Dans le Rémois. Le Rémois, ça paraît pas mal, hein. Ça couvrirait tout autour. J'en foutre un là, moi, finalement. Allez, aurez-moi. Alors ici, il faut que lui termine son siège. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'un général 2 étoiles là, honnêtement.
On est en guerre contre quoi du coup? Putain, mais en fait, ils ont même plus besoin de moi, ils font tout le taf et on prend de l'attrition pour rien quoi. Ou alors je vais tout là-bas. Ouais, non, j'ai un peu la flemme. On a trop de points. Avec des points admin, on pourrait prendre quoi? Un peu de stab? Ça coûte un peu la peau du cul quand même, hein. On va développer des trucs plutôt. J'ai des sous, je vais faire un peu d'effort, justement. Allez, on va développer ça. Hop, hop, et hop, ça sera 10. Des conflits religieux à Brême. Ouh, les petits partisans du prétendant espagnol en Espagne qui ont pété là. Une bataille entre Autriche et Brême. Est-ce qu'on y va? On va y aller quand même. Ah bah non, on est même pas en guerre contre eux, comment ça se fait? What the fuck is that? Il a déclenché une autre guerre ou quoi? Ah oui. Ouais, il va peut-être pas tarder de nous inviter, mais... Il est défenseur face à Hambourg. Ok. Ah, on a Ardarin 1er et Anne qui se sont unis. C'est beau. Et... On a un héritier qui s'appelle William. C'est quand même énorme, énorme dans la... Dans la mer du Nord, enfin même pas dans la mer du Nord, mais dans les, sur les côtes danoises, t'as 6 bateaux, enfin t'as 3 bateaux suédois et 6 bateaux de Mecklembourg qui affrontent 5 bateaux du Maroc. Ah ouais, je l'avoue, le Maroc qui tient ses promesses, hein. Ouais, ouais, pour le coup. On lui enlèvera pas ça. Non, non, les troupes, je sais pas, mais... Oh la vache, mais c'est tellement fait raser en même temps le Danemark, un de moi ça, il est pris de partout, quoi. La Poméranie, elle lui a roulé dessus, quoi. Et je soutiens toujours la Suède, hein, je sais pas ce qu'elle attend, mais... Ah bah, ouais, pour le coup... Je serais elle, j'hésiterais plus très longtemps. Hein. C'est clair, la Suède, c'est comment? C'est combien, Suède? Ah, c'est 9000 hommes d'un autre côté, hein. Il est pas non plus... Ouais, c'est pas la folie. Ouais, il a déjà 15 000 fanatiques catholiques, il a des séparatistes finnois... Je pense qu'il galère un peu à gérer ses propres problèmes. Si. Améliorer les relations avec l'Autriche, mais non. Alors, qui c'est qui veut une paix? Toi, tu veux une paix. Petite paix. Non, tu me donnes pas ta province, tu me la concèdes. Hop, voilà. Et tu te tais. On prend le prestige, non, tu veux pas. Allez, un peu de prestige. Boum, voilà. Allez, il va falloir se bouger les fesses pour rattraper l'Espagne, là. Vous êtes arrivé. Explorez-moi des trucs en avant. J'ai bien des conseils, ouais, j'ai des conseillers. Je peux faire encore quelques bâtiments. Des petits chantiers quand même, ça serait pas mal des petits chantiers. On est quand même censé être la Grande-Bretagne, quoi. Ok, exploration achevée, explorer Pacifique Sud. Hop là, et on va arrêter l'épisode là du coup, car il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, à nous laisser un petit message, un petit j'aime. Et on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.